aussi mis dans le mannequin pour faire des simulations d'évaluation clinique. On fait une animation ici à la salle de métier. Et pour suivre le similarité between the choses que tu fais dans le slackline et les choses c'est nécessaire pour travailler dans le domaine social. On est technicienne en salle d'opération. Là, on a fait une intervention qu'on appelle laparoscopie. On fait des mini-incisions et on peut regarder après avec la caméra pour faire l'opération. Donc ici, notre rôle principal, c'est de diffuser l'information généraliste sur tous les métiers. Alors nous là on fait des plâtres pour montrer aux gens comment ça se passe, soit ludique. Bon alors on fait un concours sur les 5 sens afin de travailler les 5 sens pour voir comment est-ce qu'ils travaillent et puis de se rendre compte de ce que c'est d'en manquer d'un en fait. C'est un stand plutôt à viser un peu interactif avec le jeune public et puis ça permet aussi en fait d'initier un peu la réanimation. On présente deux activités, un pansement sur un bébé et puis la manœuvre de Heimlich avec les gilets pour la désobstruction des voies aériennes supérieures. Que peuvent sentir une personne atteinte de la maladie de Parkinson.